KBTM Impérial I860 LGB, donc du KB de 8,60 m de long. Donc ici c'est un intégral avec deux lits jumeaux à l'arrière. Alors 4,6 tonnes, c'est une base 5,5 tonnes, donc il y a à peu près 800 kg de charge utile. Alors les tarifs ici c'est à partir de 237 000 euros et le modèle présenté il fait 249 400, donc 250 000 euros ce modèle. Alors cette collection avec les intégraux KB, on peut aller jusqu'à 10 mètres de long. Hein. Ici, on est sur du 8,60 m. Par contre, on est sur de l'impérial, donc on est sur la version bien dotée. Alors, on peut admirer déjà 8,60 m, ça fait déjà long. Hein. Donc, là, le plan, là. Alors, on peut admirer la porte, hein, jolie porte. Orange parapluie. Les fenêtres sont à effleurement. Et puis ici, l'avant du véhicule, un monstrueux. Donc la soute du KB I860, hein, l'intégrale I860. Alors ici à l'arrière, bon, il y a une belle soute. Hein. Ici, il y a deux grosses batteries de. Alors je sais pas si c'est 130. Kilowatts. Moi, je suis pas un expert en électricité. Donc, il y a du rangement, il y a de l'espace. Il y a 800 kg de charge utile, donc j'imagine qu'on peut charger là. On peut charger là le garage. Donc KB Impérial 860 LGB. Donc là, on est un peu dans le haut de gamme KB. Enfin, dans le haut de gamme. En tout cas, tout est du haut de gamme ici. Mais la version la mieux dotée a priori. Donc les sièges sont sympas. Porteur Mercedes. Non, on va pas se priver. Ici, petit détail. Je sais pas si c'est des Easy chargeurs. Donc on peut charger son téléphone avec truc à induction sans contact. Donc, joli petit salon. En L, avec ici une petite banquette, bon, une table télescopique mais qui n'est pas fractionnable, ça c'est dommage. Ils auraient pu mettre un plateau plus grand qui soit fractionnable en deux, ça serait sympa. Donc, joli salon. Alors au-dessus du salon, il y a un truc ici, je ne sais pas ce que c'est, je n'ose pas tirer trop. Bon, il y a un truc en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Attends. Manuhead. Donc là, c'est pour la télé. Il y a un bras télescopique pour la télé. Au-dessus du salon, il y a un petit bar, là, un mini bar. On le voit là, le mini bar. Deux grands rangements. Le bois est léger là. On dirait du balsa. Donc au niveau du salon, un gros lanterneau au-dessus. Au-dessus de la cabine, il y a évidemment un lit. Bon, c'est un intégral, donc il y a un lit là. Et il y a des petites niches ici pour ranger 2-3 bricoles. Et là aussi devant. Donc là on est pas mal, hein. On est bien, il y a de l'espace. On tient 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 très facilement. Le petit regret peut-être c'est la table qui est pas très... qui pourrait être un peu plus grande vu la taille du véhicule. Donc là on est bien, vitre là, tout est vitré, vitre là. Alors panneau de contrôle au-dessus de la porte d'entrée. Donc au niveau de l'entrée, une poignée de préhension. Ici, le truc électrique pour l'escalier, enfin le marche-pied électrique. Alors ici, cuisine. Oh, on dirait de la pierre. C'est de la vraie pierre ou pas? Non, c'est du plastique. Plastique qui ressemble à de la pierre. En tout cas, c'est très qualitatif. Donc un évier énorme. Un combiné 3 feux, c'est Dometic ça encore, 3 feux en ligne, donc c'est pas mal.
des tiroirs ici. Ici, il n'y a pas de four. J'ai vu dans d'autres modèles, ils mettaient un four en option. Ici, des rangements, les vannes. Là encore, des tiroirs, range couvert, petit tiroir, poubelle. Derrière la cuisine. Alors là, il y a système HALD, il y a une antenne apparemment. Ou alors c'est le système, ouais, je sais pas. Et en tout cas, il y a du rangement. Et au-dessus de la cuisine, il y a aussi beaucoup de rangement. Il y a deux charnières là. Bon, deux charnières, mais c'est des charnières apparemment assez solides. Il y a une petite fenêtre là. Elle est hauteur réduite là. Bon, c'est pas mal, ça permet de mettre des grands rangements au-dessus. Et ouais, c'est stylé. Hein. Beaucoup d'éclairage indirect. Et donc derrière, ah ok, il est là le four. Le four, il est là. Et ici, réfrigérateur Trimix Dometic. Avec un freezer. Alors il est grand, hein. Il n'est pas slim celui-là, il est assez grand. Donc voilà pour la partie avant. Hein. Cuisine, grand salon. Et maintenant, espace arrière. Donc l'espace arrière, on peut le cloisonner. Mais oui, c'est mieux comme ça, on va être tranquille. On peut le cloisonner. Alors si je vais aux toilettes, ah, c'est du luxe là. Je crois que c'est un des plus beaux toilettes que j'ai vu pour l'instant. En tout cas ici à Stuttgart, clairement le plus beau. La toilette comme à la maison là. Petit lavabo. Chauffage, enfin comment dire, porte-serviette chauffée, des petits rangements ici. KB, rappelons, c'est suédois, donc ce sont des camping-cars qui viennent du froid. Ici, on peut accrocher du papier ou d'autres choses. Il y a des vitres, il y a un miroir, je veux dire, avec des rangements. C'est tout rangé là. Alors de l'autre côté, il y a la douche. Donc une belle douche. Alors la douche, on est dans un 860. Hein. Donc, là aussi, c'est l'une des plus grandes que j'ai vues. Là, je suis sur le passage de roue. Et bon, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'ils auraient dû mettre au même niveau, je trouve, parce qu'en fait en termes de hauteur il y a assez. Ici ils ont juste mis une petite aération, mais sinon la vue, c'est tellement grand, on se met comme on veut quoi. Bon, on peut se doucher comme ça, hein. C'est bon, mais à la limite si c'était au même niveau là, surtout que là il n'y a pas grand chose, ou alors ils ont calibré un bac plastique qui met à niveau et puis c'est réglé. Enfin je veux dire un petit truc plastifié qui met à niveau, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Et ça peut, pour les gens qui font moins de 1m80, pour les gens qui font 1m85, 1m90, on tient debout là. Donc pourquoi ils font pas un système pour qu'il n'y ait pas de passage de roue. Alors cette douche est superbe quand même. Je parle en termes de volume. Allez. Et donc on voit ici aussi, donc là, dans les toilettes, la grande vitre et puis le système de chauffage. Pour finir, chambre, couchage. Donc ça commence par des rangements, penderie, rangement. Ça continue, penderie, rangement. À chacun sa penderie, à chacun ses rangements. Deux lits jumeaux qui ont l'air super confortables. Des rangements ici, escalier, un système d'extension ici qu'on peut tirer. Bon là, voilà, pour faire le lit au milieu et donc avoir un couchage plus de 2 mètres sur 2 mètres.
Et alors ici, on peut tenir debout sur la deuxième marche, sur la première marche. On tient debout sans problème. Là, l'accès au lit est super facile, super bien. Donc on retrouve ces petits rangements ici avec deux vérins. Là, deux petits vérins aussi. Alors ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur... On est sur la version la plus luxueuse. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça sur les autres, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Et si je m'assois ici, là on est bien. Hein. Fenêtre, fenêtre, une superbe tête de lit. Et ici, encore du pré-câblage pour la télé. Donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc voilà pour ce beau KB I860 Impérial. Ah, je sors, il y a trop de monde là. Je sors.